Ah oui, c'est par cœur évidemment, hein, inutile de le préciser. Super. Merci, vous me chantez votre première note. Magnifique. Trois. D'Avignon pour les répétitions du projet Pop the Opera qui aura lieu en juin 2017. À toi. Bonjour, je m'appelle Vanessa Di Giovanni, je suis au lycée Saint-Louis à Orange et je suis en seconde. Bonjour, je m'appelle Victoria Lallière, j'ai 15 ans et je suis en seconde au lycée Saint-Louis. Bonjour, je m'appelle Mélanie Grelin, j'ai 15 ans et je suis en seconde au lycée de Saint-Louis. Bonjour, je suis Pauline Martial, j'ai 15 ans et je suis au lycée Saint-Louis à Orange. Je suis Emma Lacour en classe de seconde à Saint-Louis à Orange. J'ai 16 ans. Je suis Lucas Mandon. Je suis au lycée Saint-Louis en seconde et j'ai 14 ans. Je m'appelle Lorraine Roux, j'ai 15 ans et je suis au lycée Saint-Louis à Orange. Je m'appelle Largeron Yanis. Je suis élève de seconde une au lycée Saint-Louis à Orange. Bonjour, je m'appelle Jules Coupélian. J'étudie au lycée d'Orange de Saint-Louis. Et j'étudie en classe de seconde 1. Je m'appelle Tristan Boulet, j'étudie à Saint-Louis à Orange en classe de seconde 1. Je m'appelle Amy Pegliasco, j'ai 16 ans et je suis au lycée Théodore Banel en première LSP Musique. Bonjour, je m'appelle Nicolas Mindieu et je suis en seconde au lycée Théodore Banel d'Avignon. Bonjour, je m'appelle Lise Anchelim, j'ai 13 ans et je suis au collège Anne-Franck en 4e. Bonjour, je m'appelle Elliot Barbier, je viens du collège Anne-Franck à Morière et je suis en 5e. Je suis Jean-Marie Lowe. Je suis auteur-compositeur, concepteur et directeur artistique du projet Pop the Opera pour les Corégies d'Orange le 22 juin 2017. Je suis Madame Roy, professeure d'éducation musicale au Collège Anne-Franck à Morières-les-Avignon. Je suis Thibaut Plantevin, professeur d'éducation musicale et chant choral au Collège Joseph Darbeau de Vaison-la-Romaine et chargé de mission auprès de la DAC du rectorat d'Aix-Marseille auprès des Corégies d'Orange. Bonjour, nous nous trouvons dans l'Université d'Avignon pour les répétitions du spectacle Pop the Opera qui aura lieu en juin 2017. Bonjour Rémi, merci d'avoir accepté cette interview. Et dans quel établissement viens-tu? Bonjour, je viens de Aubanel à Avignon et j'ai 16 ans. Dans quelle classe es-tu? Je suis en première LSP Musique. Quel est ton rôle dans le spectacle? Je suis choriste soprane. À l'annonce du projet, as-tu été réjouie de participer à ce spectacle? Bah oui, j'étais très contente. Et comment as-tu réagi? Bah, ça m'a fait très plaisir. On a passé des auditions pour pouvoir tous participer à ce projet. Qu'est-ce qui te plaît dans ce projet? Ce qui me plaît, c'est qu'on peut tous chanter ensemble. On réunit des collèges et des lycées. Et ça permet de connaître de nouvelles personnes et de participer à un projet devant plein de monde au Corégies d'Orange. Et quel est ton rôle dans le projet? Je fais la voix grave des medleys. D'accord. Et à l'annonce du projet, est-ce que tu as été réjoui d'y participer? Comment as-tu réagi? J'étais super heureux parce que c'est un grand projet, les Corégies d'Orange, tout ça. Et donc c'était super parce qu'ils ont un peu trié sur le volet les classes les plus motivées, tout ça. Donc c'était super. À l'annonce du projet, quelle a été ta réaction? Comment as-tu réagi? J'ai trouvé d'abord que c'était une très bonne chose et que je voulais participer. Et appréhendes-tu le spectacle? Non, pas forcément. T'as déjà chanté devant des centaines ou des milliers de personnes? Pas autant, mais l'année dernière, j'ai déjà fait un spectacle. Et ça t'a apporté quoi? Ça m'a montré que chanter avec des gens, c'est bien et qu'on montre ce qu'on sait faire. Tu as déjà chanté sur scène devant des milliers de personnes? Non, jamais. Et ça te fait pas peur? Un peu, mais ça va. Et quel est ton style de musique? Un peu tout, mais... Et quelle est ta musique préférée parmi ce que tu vas chanter? Le medley qu'on n'a pas encore vu, mais c'est medley Africa. D'accord. Et dirais-tu que les musiques sont diverses et variées? Oui. Et cette diversification, ça te plaît? Assez, oui. D'accord. Bon, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Et bonne continuation. Merci.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes à l'Université d'Avignon en présence de Jean-Marie Lowe, le directeur artistique du projet pédagogique Pops the Opera. Comment avez-vous réagi à cette demande? Alors très favorablement et avec beaucoup de plaisir, parce que l'Écorégie d'Orange, c'est un festival qui est renommé mondialement, qui est l'un des plus anciens festivals d'Europe. Et quand Jean-Louis Grindin m'a proposé ça, je me suis dit waouh, il va falloir être à la hauteur, et c'est un vrai cadeau. Voilà. D'accord. Pour vous, quels sont les intérêts de ce projet? L'intérêt, c'est déjà, alors, la musique est porteuse du lien entre plusieurs essences, c'est-à-dire la musique, l'opéra et la pop. La pop, la musique de film, ça c'est une première chose. Mmh. Et la seconde chose, c'est de pouvoir créer ça avec des collégiens et des lycéens, parce que pour le coup, c'est eux qui sont encore les plus à même de démontrer qu'il n'y a pas finalement de clivage entre la musique classique, la musique quelle qu'elle soit. Tout à l'heure, quand je travaillais avec les élèves et les professeurs, je me disais, mais ce qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est exactement une situation de ce genre. C'est-à-dire me retrouver dans un contexte où il y a une vraie énergie, où il y a une vraie adhésion, et où on se rend compte que tout d'un coup, même les plus agités des enfants ou les plus déconcentrés peuvent tout à coup se mobiliser et donner des résultats qui sont encore plus satisfaisants que ce qu'ils imaginent eux-mêmes. Comptez-vous par le futur participer à un projet similaire à celui-ci ou à tout autre projet pédagogique? Alors, tout à fait, c'est une très bonne question, puisque Jean-Louis Grinda, quand il m'a parlé de ce projet, m'a aussi dit que l'idéal serait que les choristes qui sont aujourd'hui rassemblés dans la région PACA puissent être, pour une édition prochaine, d'une autre région de France, et comme ça, au fil des années. Donc c'est un projet qui est le germe, j'espère, d'une aventure longue et durable. Quelle place prend ce projet dans votre vie de tous les jours? Ça prend beaucoup de place. Ça prend une place jusqu'à juin dernier. J'avais par exemple une chronique sur France 5, une chronique musicale, que j'ai arrêtée parce que voilà, il faut s'occuper sérieusement de ce projet. Qu'il y a d'une part la réécriture des chœurs, puisque au départ ces chœurs ont été écrits pour un chœur d'opéra adulte, il a fallu réadapter pour un chœur d'enfant. Que par ailleurs, il y a un orchestre, alors qu'il n'y avait pas d'orchestre, et que c'est donc l'orchestre de l'Opéra d'Avignon, dirigé par Didier Benetti, qui sera présent sur scène au Corégie. Donc il y a tout un travail qu'il fallait faire et qui demande quand même d'être focus là-dessus. Voilà. Merci. Merci à toi. Pourquoi avez-vous décidé de consacrer votre vie à la musique? Alors au départ, je ne savais pas exactement pourquoi. J'ai commencé à voir un copain qui jouait de la guitare au collège, et je me suis dit, oh là, c'est bien ça. Et j'étais extrêmement timide et je me disais, c'est dingue qu'avec une guitare et en chantant des chansons, ça peut tout d'un coup, on peut avoir tout d'un coup plein de copains, plein d'amis. Et puis, donc j'ai commencé, et sans me douter que c'était vraiment quelque chose qui était en moi important, et que la musique, plus j'en écoutais, plus j'aimais ça. Et puis petit à petit, je me suis dit donc que ça me faisait énormément de bien, et que c'était aussi un moyen de pouvoir provoquer chez les autres des émotions, plutôt des choses sympathiques. Et voilà, donc c'est quelque chose qui ne s'est pas fait d'une manière aussi simple que ça, mais aujourd'hui, il me semble que j'ai eu raison de faire ce choix-là, en tout cas. Merci. Merci à toi. Nous sommes en compagnie de Madame Roy, professeure de musique du collège Anne Frank de Montréal-lès-Avignon. Bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette interview. Merci pour l'invitation. Alors, comment avez-vous réagi suite à l'annonce de ce projet? Alors, il faut dire que je n'étais pas encore en poste quand j'ai eu connaissance de ce projet par M. Paulin Reynard.
Je suis donc novice puisque c'est ma première année d'enseignement. Et lorsque j'ai su que le collège Morière participait à ce projet, je me suis greffée avec mes classes. Et on a donc doublé les effectifs et les heures de travail sur ce projet-là. Et j'étais vraiment partante et enjouée de participer à un projet aussi titanesque que ça. Quelles ont été les réactions des élèves suite à l'annonce de ce spectacle ? Alors, beaucoup d'excitation dès le début. Il a fallu les cadrer, leur faire comprendre que ça allait être beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Et de suite, ils ont répondu présent, notamment ces derniers jours lorsque des places se sont libérées et qu'ils ont pu intégrer le projet. Alors, nous sommes un collège de Vaison-la-Romaine en classe CHAM. Donc, ce sont des classes qui sont constituées entièrement d'élèves qui sont volontaires pour faire des projets musicaux. Donc, ils ont été évidemment enthousiasmés de ce projet d'envergure, puisque nous faisons chaque année des différents projets. Évidemment, on essaye de faire aussi des projets de musique savante, des projets plus pop. Mais là, on avait les deux à la fois. Donc, ils ont été très enthousiasmés. Et est-ce qu'ils en ont l'habitude de chanter dans différentes langues ? Parce que vous avez dit qu'ils étudient dans un collège spécial pour la musique. Alors on essaye à chaque fois de faire des chansons de divers styles et puis de diverses langues. Là maintenant, c'est vrai que de chanter en russe, de chanter en provençal, de chanter en italien, en français aussi, etc. C'est vrai que bon, voilà, ça a été un défi. Je sais que vous êtes chargé de coordonner le projet pour l'Académie d'Aix-Marseille. Comment avez-vous réagi ? Alors effectivement, c'est ma mission donc pour l'éducation nationale, hein, chargée de mission auprès des Corégies d'Orange. Et donc j'ai accueilli ce projet évidemment avec grand enthousiasme, la même manière que les élèves ensuite, puisque évidemment c'est un projet d'envergure qui motive en fait tout un tas d'établissements d'univers différents. Donc c'est intéressant aussi justement de monter une équipe comme ça pour arriver à produire un projet autour d'une même passion qui est la musique, qui est le chant et qui est aussi évidemment le monde de l'opéra. Et quel investissement cela demande-t-il pour les élèves ? Combien de... Alors effectivement, on travaille en cours au collège, mais il y a un travail personnel qui est fait aussi. Et les élèves, quand ils sont motivés, ils vont pouvoir réviser chez eux à la maison. Et puis on a même été surpris cette année d'avoir des élèves qui réservaient la salle de musique entre midi et deux en autonomie, c'est-à-dire que c'est venu d'eux-mêmes pour travailler, pour réviser en fait les chants qu'ils avaient appris par petits groupes de 4 ou 5. Et donc c'est vrai que c'est motivant aussi bien pour les élèves que pour l'enseignant. Merci d'avoir participé à cette interview. Et merci à toi. Merci à vous deux.